Alors, les bons réflexes pour définir un business model. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez qu'on approfondisse ou qu'on discute davantage, n'hésitez pas à me contacter. Voici mes coordonnées. Je vous fais vraiment un plaisir, hein, c'est ma philosophie à vous répondre. À Coneo, pour ceux qui nous, enfin, vous ne connaissez pas vraiment encore peut-être totalement, à la base, donc, on est un cabinet d'expertise comptable, donc on accompagne des startups et des sociétés, on a vraiment un éventail assez large d'entreprises dans leur comptabilité au quotidien. On est assez connu aussi dans le monde des cryptos, parce qu'on fait partie des rares experts comptables à savoir comptabiliser, ou du moins à comptabiliser des cryptoactifs. On est présent dans blockchain, l'IA, l'industrie, green tech, insurtech. Enfin, on a pas mal de secteurs d'activité où on est assez récurrent. Mais on se veut volontairement assez large. Et donc, on a développé en fait une gamme d'accompagnement avec un incubateur accélérateur qui, celui que je dirige, c'est dans ce cadre-là que je fais ce webinaire aujourd'hui. L'objectif étant vraiment d'accompagner les porteurs de projets à aller plus loin que le simple. Donc, le conseil qu'on peut avoir au niveau d'expertise comptable en allant dans de l'opérationnel, c'est-à-dire on se met vraiment aux côtés des porteurs de projets. Et c'est pour ça que j'insiste en vous disant, n'hésitez pas à nous poser des questions et à revenir vers nous, parce que c'est notre travail et on aime apporter notre pierre à l'édifice en aidant très concrètement les porteurs de projets que l'on peut accompagner. Alors, on va avoir 30 à 40 minutes pour discuter du business model, le définir rapidement quand même pour s'assurer que ben on parle tous de la même chose, parce que c'est un peu comme la notion de business plan. Les fonds disent business plan, mais en fait on pense au prévisionnel. Donc j'ai vraiment envie de bien cadrer et d'encadrer, ouais, de délimiter ce concept. Faire une projection des situations dans lesquelles on doit le définir ou redéfinir notre business model. Les questions auxquelles il faut répondre à travers ce business model. Vous devez très certainement connaître le modèle Canva. Je vais vous en dire plus. Pourquoi c'est utile et à la fois pourquoi c'est pas foncièrement utile de perdre du temps. Donc on va essayer d'approfondir ce point. Et ensuite, j'ai quelques bons conseils qui sont issus de mon quotidien en fait et de ce que je peux voir tout simplement pour que vous puissiez appliquer ça également de votre côté. Alors, est-ce que jusque-là, ça convient à tout le monde, l'ordre du jour? Super. OK. Alors, qu'est-ce qu'un bon business model? Si on le fait de manière très sommaire et très directe, le business model, c'est la manière dont votre entreprise va générer du cash. Le fait dont on génère du cash, de manière assez classique, on va dire, ben, je vends quelque chose. Je suis payé pour cette prestation, pour ce service ou pour ce bien et j'en génère des sous. Ça, c'est la méthode classique traditionnelle qu'on connaît de tout temps. Sauf qu'en fait, et on l'a vu avec les évolutions, avec des sociétés comme Google, enfin les GAFA, ou les réseaux sociaux, ou comme tu le fais toi, Clémentine, en fait, finalement, avec la vidéo. En fait, il y a des business models qui ne sont pas foncièrement toujours directs. Et ça rentre dans notre définition et ça rentre dans la façon dont on va générer du cash. Soit en vendant notre presta, soit en faisant de la gratuité et en allant chercher des revenus par ailleurs. Je vais vous donner un exemple très concret aussi. Il y a beaucoup de startups qui ne sont pas rentables dès le début, mais qui sont assez claires dans leur tête en se disant que dès le début, leur business model, la façon dont elles vont générer des sous, ça va être de vivre sur des subventions et sur des levées de fonds, parce qu'elles vont aller valoriser. Donc, si je vous donne volontairement cet exemple, c'est vraiment pour vous montrer que le business model, c'est quelque chose de très, très large et qu'au final, c'est vraiment le moyen de faire rentrer des sous sur son compte en banque. De manière plus théorique, quand on va vous demander c'est quoi ton business model, je facture des fees à hauteur de temps ou je suis rémunérée à la com. Ça, c'est cool. Quand on va présenter son business model, on va attendre un peu plus. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'exercice du Canva où on va demander de décrire et d'expliquer comment vous allez vous assurer que votre business model fonctionne, c'est-à-dire qui vont être vos partenaires, comment vous captez cette audience, quelle valeur ajouter, quels sont vos freins, vos barrières, vos freins à l'entrée.
sachez que la notion de business model, quand on va la présenter à des investisseurs ou à des tiers, bien sûr, c'est la façon dont on génère du cash, mais c'est aussi quelque part toute la stratégie qui va autour. C'est dans ce cadre-là que l'exercice du Canva est assez intéressant. Est-ce que vous aviez conscience de cette définition? Est-ce qu'on parle bien de la même chose jusque-là? C'est l'exercice auquel vous êtes en train de vous prêter, savoir comment vous générez du cash. Oui. OK, allez, je continue. Alors, les situations, vous tous les… Ben, aujourd'hui, là, les participants, vous deux… C'est dommage que Laetitia soit partie. Mais là, les cas que vous m'avez cités en introduction, vous êtes vraiment au lancement. Donc, vous êtes en train de vous poser la question de comment mon idée va me permettre de générer du cash et finalement, je pourrais en vivre. Il y a d'autres cas aussi où on est dans un cas de remise en question, c'est-à-dire que le business model est là, il existe, on génère du cash, mais soit il n'est pas suffisamment rentable, soit on a une perte de traction, soit on a une demande extérieure de revoir notre business model. Et donc, dans ces cas-là, on fait également cet exercice. Je ne vais peut-être pas trop l'approfondir aujourd'hui parce que ce n'est pas votre situation. Mais sachez en fait que ça existe aussi et que la refonte du business model peut se faire en pleine existence de l'entreprise. Alors, la façon, comment est-ce que je vais vivre de mon activité? Alors, Alban, projet de médiation culturelle, valoriser le patrimoine sous-marin auprès des collectivités, c'est déjà une des premières étapes. Clémentine aussi, tous les deux, vous m'avez cité qui sont vos cibles et qu'est-ce que vous allez vendre. En fait, c'est les premières étapes. Ça va rejoindre, et c'est là où on s'entremêle beaucoup, ça va rejoindre les questions d'une étude de marché que l'on veut faire pour pouvoir se positionner. C'est quel problème j'essaye de résoudre, en fait. Quelle est ma valeur ajoutée et est-ce que finalement ma valeur ajoutée est suffisamment forte ou différenciante comparée à la concurrence ou comparée aux solutions qu'ont déjà mes clients pour que je puisse justifier un revenu ou un business model ou une source de revenu qui est différente. Je vais essayer d'être plus concrète et vous donner un exemple beaucoup plus spécifique. Clémentine ou même Alban, je pense que dans vos projets, il y a déjà des gens qui existent sur le terrain et qui font ce que vous faites et ce que vous proposez. Peut-être qu'ils ne s'adressent pas à la même cible. Peut-être qu'ils ne font pas de la même manière que vous. En fait, c'est vraiment très important d'aller se poser ces questions parce qu'à partir de là, la façon, avant d'être totalement innovant, c'est bien de trouver la manière dont on va facturer, dont on va générer son revenu de manière assez simple. Et c'est vraiment le business model qui fonctionne le mieux. C'est celui qui est le plus clair et qui est le plus facile et le plus transparent à communiquer. Typiquement, l'activité sur la médiation culturelle auprès des collectivités, comment valoriser le travail, il y a certainement des appels d'offres qui sont faites au niveau d'un point de vue public. Peut-être se rapprocher des collectivités et le business model numéro un, ça va être, moi, je vais répondre à des appels d'offres parce qu'en fait, ma cible, c'est les collectivités et que de toute manière, ça passe que par ça. En plus, peut-être que mon business model va être un peu complémentaire et je vais pouvoir aller voir des associations qui ont pour mission d'aller valoriser le patrimoine sous-marin et je sais qu'ils vont allouer des enveloppes en fait tous les ans pour pouvoir participer à cette valorisation du patrimoine et auquel cas ça me fait une ligne supplémentaire de revenus. Ça peut passer par des projets de vidéos, projets touristiques, également possible d'aller voir l'office du tourisme. Ce que j'imagine hein, comme source de revenus dans le business model d'Allemand, c'est aller voir toutes les institutions publiques, aller voir tous les appels de projets, aller voir l'Union européenne qui a des fonds également pour valoriser tout cela. Ça, c'est une façon de faire. Et là, on est sur un pan du business model
qui est bien parce que finalement, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas vraiment d'offres à créer, il va falloir répondre à des appels d'offres. Le problème, c'est que l'entreprise, elle génère une dépendance. La dépendance, c'est si demain, telle ou telle institution décide de couper la ligne de crédit, et ben, en fait, votre projet, il va plus être financé. C'est là où, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il va falloir aller coupler et diminuer cette dépendance en allant chercher des sources de revenus plus classiques, plus traditionnelles, ou comment valoriser tout le patrimoine. Eh ben, ça peut être via, par exemple, la vente de vidéos. J'essaye de coupler un peu vos deux idées, c'est-à-dire que vous montez vos propres projets qui ne répondent pas à des appels d'offres, mais qui peuvent répondre à des besoins d'un office du tourisme, qui peuvent répondre aux besoins peut-être de passionnés, qui seraient prêts à aller payer des vidéos parce qu'en fait, ça les intéresse, pour aller préparer des plongées à venir explorer en avant, peut-être en 3D ou en AR, d'aller explorer les fonds sous-marins. Enfin, je suis en train de partir de manière vraiment très, très large. Mais tout ça pour venir et revenir et centraliser sur les questions que je vous conseille de vous poser, c'est quelle est votre proposition de valeur? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment différenciant? Et donc, du coup, essayez d'aller taper vraiment dans tous les coins et d'identifier qui sont toutes vos cibles pour identifier leurs besoins, voir quelle est la capacité à payer pour ce que vous êtes en train de faire et à la fin, revenir sur quelque chose de plus terre-à-terre et de plus répandu. C'est-à-dire, si on revient sur le mix marketing avec les 4P, le prix, le produit, la distribution et la production, et vous comparez à la concurrence pour essayer de vous aligner, s'il n'y a pas vraiment lieu de se comparer, c'est juste vous assurer par une étude de marché que votre clientèle est prête ou votre cible est prête à payer le prix que vous proposez et auquel cas, vous avez ce qu'on appelle un market fit. Je reviens à l'exemple de Clémentine. L'exemple de Clémentine, où on est dans un business model qui est beaucoup plus détourné, où finalement, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, Clémentine me disait, moi j'ai un business model où je crée du contenu vidéo. Ce contenu vidéo, pour mettre en valeur finalement le métier, mais de l'intérieur, je sais que mes clients n'ont pas vocation à payer, parce que c'est pour sensibiliser et aider à la finalement aux décisions pour l'orientation, c'est vraiment l'orientation de carrière, auquel cas, je vais faire de la gratuité, mais moi, il faut que j'en vive quelque part. Là, le business model est plus détourné, parce qu'effectivement, il y a le choix de la gratuité, parce qu'elle a directement identifié que sa cible n'était pas disposée à payer. Par contre, Clémentine va participer à un ouvrage collectif. Donc forcément, ça, c'est pour le bien commun finalement. Il y a peut-être, je retourne, c'est toujours un peu les mêmes, la même construction et la même pensée. Et finalement, c'est peut-être ça aussi la méthodologie, tout simplement, à envisager quand vous définissez votre business model. C'est un, qui sont les personnes que je vais être intéressée d'un point de vue public ou subvention? C'est-à-dire, je pense qu'il y a un syndicat, très certainement un syndicat du métier, Clémentine, qu'il faut aller voir et auquel cas ça peut tout à fait les intéresser. Ils font des syndicats ou associations, ils ont des enveloppes en fait pour pouvoir participer et promouvoir en fait le métier. Donc là, il y a une source de revenus. Bien sûr, c'est une toute petite ligne sur le business model, mais malgré tout, ça rapporte un petit peu de cash. Je pense qu'il y a des fonds publics qui, et j'en suis même, je pense, je le sais, je l'ai encore vu cette semaine, au niveau européen, il y a des fonds qui viennent financer en fait tout ce qui est éducation et formation. Donc c'est sûr qu'il faut aller voir, taper FEDER, parce qu'en fait le FEDER c'est le plus grand fonds et derrière vous aurez tous les autres fonds européens qui sont financés et eux ont un fonds. Ils ont un fonds qui vont financer la formation. Donc, il faut aller chercher des sous là-dedans. Ça ouvre une autre question. Et je vous fais un peu une construction de business plan en live, hein, et de business model en live, je me permets, parce qu'on est sur une petite équipe et assez réduite. Mais
Ça dépend aussi de votre vision à long terme. Est-ce que là, on est en train de parler d'un business model pour un projet sur le court terme, c'est-à-dire, ben moi, ces vidéos, je veux que ça me permette de vivre, aller sur un an. C'est un projet d'un an, je veux que ça me dégage 50 000 euros parce que j'estime que c'est ce qu'il me faut pour pouvoir vivre et 30 000 euros pour pouvoir produire à côté et créer le tout. Ouais, ok. Donc, en fait, tu as envie de scaler. Une réelle volonté de scaler. Ça fait partie du business model. En fait, quand on crée son business model, il faut aller sur plusieurs étapes. Première étape, c'est le lancement. Je fais ma preuve de concept. Ma preuve de concept, je pense que pour pouvoir lancer mon POC, il va me falloir 30 000 euros pour payer mes prestats, la réalisation, le tout. Pareil pour toi, Alban, je pense que c'est la même chose. Pour pouvoir payer ce POC, comment je vais générer mes sous? Ça, ok. Faire du financement pour lancer. Exactement. Très court terme, mon business model, c'est que je vais vivre sur de la subvention, je vais faire mon POC. Ensuite, mon business model, c'est que, à long terme, attention, parce que la levée de fonds, ce n'est pas le business model. Mais, même s'il y a certaines startups qui veulent aller dans le business model de faire des levées de fonds répétitives, ce n'est pas le plus viable. Aujourd'hui, on est dans une période où on est vraiment sur du financement rationnel. Donc, ils ne sont pas fans, en fait, les financeurs de ces levées de fonds pour financer l'entreprise. Il faut vraiment que ça finance la croissance. Mais au début, le business model, ça peut très bien être, je vis sur des subventions. Ensuite, effectivement, si l'objectif, c'est de scaler, il faut vraiment aller creuser sur qui sont les clients, combien ils sont prêts à payer. S'ils ne sont pas prêts à payer, le problème, Clémentine, c'est que scaler, en fait, c'est presque de l'utilité publique, ce que tu proposes. Et scaler en mode startup sur de l'utilité publique, c'est pas toujours le plus facile parce qu'en fait, les investisseurs vont essayer de. En fait, il faut créer une barrière à l'entrée forte où les gens vont quand même payer pour pouvoir utiliser la vidéo. Par exemple, je donne l'exemple de l'Ordre des experts comptables, ils ont des vidéos qu'ils mettent à disposition des experts comptables pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un expert comptable, quelle est sa mission, la déontologie, tout ça, ce qui peut s'apparenter à ton métier. Mais pour qu'ils puissent diffuser ces vidéos, ils doivent adhérer à l'ordre des experts comptables. Business model. Je suis pas certaine qu'il y ait une cotisation à payer pour l'ordre, mais business model que j'identifie pour un autre groupement tel que celui que tu pourrais préparer. Business model, on paye une cotisation. Tu fais partie, c'était ma question tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un syndicat dans ton métier? On est peu, hein, n'hésitez pas à mettre on va le faire de manière interactive. N'hésitez pas à mettre votre micro et on peut échanger directement. Alors, pour revenir sur ça, en gros, ça ne va pas être gérable de surveiller. Il y a un écho horrible. C'est très très bon. Si tu peux couper ton micro. Ça va pas être possible en fait de surveiller qui va diffuser ou pas les vidéos parce que si effectivement toutes les personnes que j'espère vont regarder, on parle sur des millions de personnes et donc je peux pas gérer si Pierre-Paul Jacques il a payé son droit pour diffuser ou pas. Là en fait l'idée c'est vraiment de faire payer l'entreprise chez qui on va filmer parce que ça sera cette entreprise là qui va représenter le métier et pas une autre. Et donc du coup c'est aussi une opportunité pour eux et aussi développer leur marque entreprise, enfin leur oui c'est ça marque employeur. Voilà, ça sera cette entreprise là et pas une autre en fait. Donc à un moment donné la question de payer se posera certes, mais ça sera une opportunité qu'il faut qu'ils saisissent en fait, sachant que là je fais déjà actuellement de la presta vidéo puisque je suis déjà vidéaste, donc je pense que ça ira on va dire pour vendre le projet. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque métier, on vende à chaque fois de la même manière. Et si des coups, ça va être ouais, sur la scalabilité, c'est là où je m'interroge en fait. C'est que une entreprise, ok, elle est prête à payer parce qu'elle a besoin de faire sa com. Alors, c'est pas l'entreprise qui a besoin de faire sa com. C'est-à-dire que l'entreprise, à la fois, va faire de la com qu'on lui met à sa disposition, dont elle peut utiliser, mais c'est de la com normée puisque ça sera la même chose à chaque fois pour les métiers. Mais ça met aussi en valeur le fait qu'elle s'engage pour mettre en avant son métier. Et donc, du coup, elle participe à, je ne vais pas dire à l'effort public, parce que ce n'est pas ça, mais enfin voilà, elle met en avant ce côté-là.
c'est pas pour faire ça comme à elle. Alors bien sûr, ça lui fait de la com, mais c'est pour participer à l'orientation. Et tu penses que les clients seraient, enfin que les entreprises, pour chaque métier, chaque entreprise serait à même de vouloir payer. Donc en fait, ça sous-entend que toi, dans ton business model, il va falloir que tu crées une confiance énorme et que tu deviennes quelque part l'acteur indispensable. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir chez toi plutôt que chez un autre pour créer des vidéos? C'est ça. Et... Alors ça, j'ai déjà en fait, j'ai un personal branding assez fort. Je suis la Rambo de la vidéo. Il y a déjà pas mal de personnes qui me suivent. J'ai presque 10 000 personnes sur LinkedIn. Les gens me reconnaissent dans la rue, dans les Hauts-de-France. Donc, on va aller chercher d'abord des entreprises dans les Hauts-de-France puisque ça semble logique forcément que ma communauté est ici. Et oui, en fait, mon projet, c'est moi qui vais aller tester le métier. Donc, je suis le visage du projet. Donc, clairement, pour le fait que les entreprises vont vouloir suivre de ce côté-là, je m'en fais pas trop. Après, bien sûr, on va aller chercher forcément des entreprises qui ont les reins solides plutôt que des petites entreprises. Et là où ça va poser problème, c'est pour les métiers qui sont représentés par des petits entrepreneurs, où du coup, là, l'idée, c'est de trouver du financement autre. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un montant nécessaire par métier. Et que ce montant soit payé, du coup, en faisant une balance, soit c'est l'entreprise qui paye tout, soit c'est l'entreprise plus un centre de formation, soit c'est tout le centre de formation, soit c'est, je sais pas, un mécène, par exemple, qui a décidé, qui voulait mettre en avant le métier de vanier, par exemple, et qui va, du coup, payer en sponsoring financier, en fait. Ok. Et aller voir les syndicats, c'est pas la meilleure solution? Alors, on en a parlé hier. Donc, l'idée est là. J'ai pas encore fait le pas, mais oui, bien sûr, ça fait partie de ce que je considère comme du sponsoring financier, en fait. Mais pour que ton business model fonctionne, il faut verrouiller, en fait, l'endroit ou la façon pour créer, en fait, cet effet boule de neige. Les premières vidéos, et ça fait partie de la définition du business model, et je raccorde un peu à la formation pour que ça puisse aussi convenir à tout le monde, c'est que ok, ce que tu es en train de me dire, je l'entends et ouais, bien sûr, mais pour que ton business model soit complet et qu'il soit vraiment fort, il faut que tu trouves un moyen. Alors j'entends, tu as tes réseaux sociaux, tu as une communauté très forte, mais pour autant, pour t'assurer que ton business model fonctionne, il faut que tu verrouilles en mettant à disposition une... Je ne sais pas comment tu vas faire. Ça va être une plateforme où on verra toutes les vidéos, ou finalement ensuite il y a quelqu'un qui va diffuser les vidéos pour que. Comment tu vas faire en sorte que ça soit à plus grande échelle et que ce soit accessible à tout le monde? Bah, tout simplement, ça sera mis sur YouTube. Donc au niveau accessibilité, YouTube, on est pas mal. Il y aura des teasings qui seront mis sur TikTok pour aller toucher les jeunes, parce que les jeunes sont sur TikTok. Et à terme, il y aura un site internet qui reprendra par métier à chaque fois les différents éléments pour le métier. Et pourquoi est-ce que, question investisseur, pourquoi est-ce que, j'attends pas la réponse de suite, hein, c'est juste, pourquoi est-ce que les utilisateurs iront plus facilement sur ta plateforme plutôt que sur la plateforme de la tech, par exemple, ou autre plateforme qui a vocation à faire ça? Parce que je vais aller faire un stage, ils vont pouvoir vivre un stage par procuration, en fait, avec moi, et il faut que je rentre dans le détail du projet, mais en gros, il y a une première vidéo de 4 minutes où on va vraiment aller faire du test métier et balayer le métier en long, en large, en travers, en 4 minutes. C'est-à-dire qu'on va savoir les avantages, les inconvénients, le quotidien réel et concret du métier, s'il y a des cas déconseillés, si c'est plutôt un métier d'intérieur, métier d'extérieur, métier socialisant ou pas socialisant du tout. Et okay. Donc, en fait, avec ces critères, on sait si un truc rédhibiteur ou pas. On sait si on veut aller plus loin. Si on veut plus loin, on a un podcast d'une heure où là, on va aller en détail en profondeur dans le métier. Et on aurait une mixité homme, femme, junior, senior, salarié, un DEP, un référent RSE, un formateur et un référent handicap. Et ensuite, il y aura 24 heures avec le professionnel où là, ça sera sur Instagram. On va partager des petites vidéos un peu plus fun pour parler du métier et surtout faire un live où du coup, les personnes vont pouvoir poser les questions avec le professionnel. Donc, okay. C'est un truc hyper complet. C'est un truc avec un peu à la Jamie et Fred qui vont tester les trucs. Ben là, c'est Rambo de la vidéo qui va tester les métiers. Donc, très humain, très authentique. Et, voilà. Donc, en fait, ton business model, il est vraiment clairement sur la... Il est sur la publicité ou sur les revenus que tu peux générer depuis les plateformes plutôt que sur à terme ta scalabilité, elle est plutôt là-dessus. Mais ça, j'ai pas misé là-dessus au départ parce que je sais que c'est assez long pour avoir des revenus sur les plateformes. Ouais, l'intérêt, mais oui, c'est vrai ça. Que, ouais. C'est pas faux. Ton business model, c'est sûr, prends des subventions, prends tout ce que tu peux au début parce qu'il faut du cash frais pour pouvoir financer le lancement.
mais ta scalabilité à toi, je la vois sur la génération de contenu et les revenus indirects en fait qui vont t'apporter ces contenus, il me semble. Et puis ensuite, plus tu vas grandir, plus tu vas devenir la référence, c'est tout ce que je te souhaite, et plus ton business model va évoluer, tu vas le redéfinir et potentiellement tu vas aller dans la formation, tu vas aller dans la mise en relation, tu vas aller dans la formation, tu vas aller dans la création de contenu pour pouvoir former les gens, les jeunes, avec un support beaucoup plus adapté. Tu vas vendre des masterclass adaptées avec des, tu vas faire de la mise en relation avec des professionnels et des jeunes, partage d'expérience, un nouveau business model qui va se créer. En tout cas, c'est vers là que je vois ta scalabilité. D'accord. C'est intéressant, j'avais pas forcément cherché de ce côté-là. Là, je cherche vraiment ce qui peut financer là maintenant le lancement. Mais effectivement, après, l'objectif, c'est d'exploser, d'avoir des millions, des millions de vues. Ouais, et ta rentabilité à long terme, elle est là, et le potentiel, il est là. C'est de créer une marque forte qui existe déjà parce que c'est toi, mais aujourd'hui, elle n'est pas tellement axée sur la formation et l'orientation. Et il faut vraiment que tu te positionnes comme cet acteur incontournable. Et petit à petit, on sait que tu as une question sur un métier, tu vas aller voir la ronde de tes vidéos. Et petit à petit, tu vas devenir le. Ouais, si tu le fais bien, tu vis de tes revenus publicitaires. Et petit à petit, tu diversifies et tu vas vers des revenus liés à la formation, partage de compétences, partage de données, et ça devient fort en tant que business model. C'est ça. Ok, très bien. Je vais peut-être revenir vers Alban, où j'ai vu qu'il y avait Julien qui nous a rejoint. Alban, peut-être que tu as des questions ou t'as... Oui, ben je vais commencer. Ben, moi, c'est vrai que le produit n'est pas encore autant défini. En revanche, on a déjà peut-être un premier client avec le département de la Vendée, puisque nous, le projet à la base était associatif. C'est qu'on a un certain nombre d'épaves en fait dans la rade des Sables d'Olonne. Et du coup, on s'est dit comment les mettre en valeur, on va monter quelque chose. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt de la part des élus et du département pour ce type de projet-là. Donc, on est encore en train de définir si justement on part sur de l'orthométrie, des rendus 3D ou même des vidéos prises sous l'eau autour des épaves parce qu'on est plongeur. On se renseigne également parce qu'on a des épaves qui sont assez profondes, donc qui sont pas accessibles sans drone, sous-marin ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi un investissement assez important et une technicité dans la construction du produit de médiation qui est quand même forte. Donc du coup, on est encore en train de définir le produit, donc c'est un peu compliqué de partir tout de suite sur le business model. En revanche, il y a plein de pistes possibles, quoi, dans le sens où on peut vendre aux collectivités, on a aussi les clubs de plongée qui pourraient être intéressés pour pouvoir faire une sorte de preview sur la sortie qu'ils vont vendre. Voilà, et il y a aussi on a pensé également sur toute la partie communication à être présent sur les réseaux aussi, et notamment YouTube, voire le podcast, mais là c'est des environnements qu'on connaît moins, et on sait que là ça c'est des revenus qui sont à attendre beaucoup plus de temps, quoi. Donc voilà, pour résumer. Si tu veux parler podcast et vidéo, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn, hein, ça, on pourra en discuter avec plaisir. Merci beaucoup, avec grand plaisir. C'est des métiers qui sont annexes, et effectivement, ça prend du temps à se développer, mais ça peut se faire parallèlement. Au quotidien, c'est venu d'où ? C'est quoi la passion qui est derrière ça ? Moi, je suis plongeur et donc je suis instructeur de plongée, et je suis aussi j'ai des diplômes en histoire. Je suis historien et quand je suis sorti de mes études, je suis parti dans le commerce. Donc, j'ai pas du tout continué là-dedans. J'ai passé mes formations d'instructeur il y a 3 ou 4 ans en tour du monde. Et du coup, là, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a dit, ça serait bien de combiner ces passions-là et de les associer en fait au commerce, quoi. Et du coup, j'ai commencé à contacter des personnes qui sont des membres d'associations, par exemple, pour pouvoir déjà rejoindre le milieu, reprendre contact avec ce milieu historique. Et j'ai commencé à lancer des idées, et j'ai des personnes dans les associations qui m'ont dit « ça, c'est super, faut y aller, quoi ». Et c'est comme ça que, d'un projet associatif, je suis passé à me dire « ça pourrait aussi être une entreprise ». Et moi, j'ai aussi en tête, j'ai la dimension française qui est forte, mais j'ai aussi une grosse dimension internationale en tête, parce que
Parce que j'ai une expérience à l'étranger aussi et je sais que, par exemple, l'industrie de la plongée en France est très, très minoritaire par rapport à celle qu'on pourra trouver aux Caraïbes ou en Indonésie ou aux Philippines. Et voilà, et je sais que c'est un créneau, je me suis renseigné aussi dans les différents forums de métiers liés à la médiation. J'étais à Paris, il y a le CITEM notamment qui réunit tous les musées de France et en fait, il n'y a absolument aucune offre là-dessus. Il y a sur l'étude de marché, on arrive à trouver des exemples de médiation sous-marine, mais c'est encore au balbutiement et c'est toujours lancé par la région ou par des projets associatifs, quoi. Donc on n'a rien de très structuré et organisé. Mais dans ce que tu me dis, en fait, pour que je puisse délimiter, tu as une vision de l'entreprise où, bien sûr, on rêve tous du plus gros pour sa boîte. Mais chacun a une définition différente du seuil à atteindre. Toi, l'idée, c'est quoi? C'est de structurer, d'avoir une grosse entité derrière. Au final, vous êtes combien déjà aujourd'hui? Et c'est quoi un peu ta vision du business? De faire quelque chose qui fonctionne bien et qui a une bonne taille ou de se caler à outrance? Pour l'instant, on est deux. Moi, ma vision du business à court terme, c'est déjà d'arriver à répondre en France sur des appels d'offres ou d'être présent en fait présent en France déjà parce que ben, je suis ici, j'opère et j'ai aussi beaucoup de données de la part des associations. Et c'est assez facile de produire le contenu, quoi. De le contenu historique, on va dire. Et à plus long terme, c'est de se développer à l'international, mais peut-être sur une période de 10 ans. Après, en fait, tout dépendra de ce que l'étude de marché nous révélera aussi et de ma cible. Parce que si, par exemple, ma cible, ça devient les centres de plongée, là, en France, je pense pas avoir énormément de business à faire, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est importante, l'étude de marché, mais malgré ça, dans ce que tu me dis, je vois vraiment une source de financement public parce qu'effectivement, il y a un réel besoin. Je vois aussi en fait la réalisation de contenus plus… Alors, des fois, il y a des business models. Là, je reviens un peu dans les généralités, mais c'est pour répondre à ton point. Des fois, il y a aussi des business models qui sont directs, c'est-à-dire communiquer à tout le monde. Tout le monde voit que Aconeo fait de l'expertise comptable et de l'incubation. Mais derrière, il y a d'autres services qu'on ne va pas foncièrement communiquer et qui nous permettent aussi de générer des revenus complémentaires. Et dans ce que tu dis, j'en vois aussi pas mal en fait de revenus complémentaires qui ne sont pas foncièrement dans le business model qui est mis en avant à tout le monde. Mais comme vous êtes sur site, peut-être que vous pouvez aller faire des prélèvements pour ci, pour ça. Peut-être que vous pouvez aller chercher de l'information pour ci, pour ça. Et ça, c'est une source de revenus complémentaire. Bien sûr, vous y allez pour une première mission, mais à côté de ça, vu que vous êtes sur place, eh ben, en fait, vous pouvez faire autre chose et c'est une ligne de cash qui rentre en plus. Ce business model, il me vient là pour toi. Je vois beaucoup de subventions, bien sûr, répondre aux appels d'offres parce qu'en fait, il y a vraiment une utilité nationale. Il y a aussi tout ce qui est plutôt création de contenu vidéo, de documentaires, ce genre de choses qui peuvent être commercialisées, de la vente de vidéos, de la vente d'images. Et ça rentre dans le business model vraiment parce qu'en fait, on est sur quelque chose d'assez rare et la valeur ajoutée, c'est d'avoir la capacité d'aller plonger et de chercher des choses que tout le monde ne peut pas voir. Il y a de la vente de contenu, on a tout sur les réseaux sociaux, on va aller sur Insta, on va avoir Brut ou enfin il y en a plein d'autres qui vont nous mettre des vidéos, c'est juste là pour nous faire découvrir un fait assez dingue et cette vente de contenu auprès de ces organes de presse qui eux ont déjà leur canaux, c'est pas votre métier, mais vous les utilisez parce que votre métier c'est d'aller chercher l'info, eux leur métier c'est pas d'aller chercher l'info, c'est de la diffuser et mise ensemble en fait vous. Notamment, je rebondis sur ce que tu dis parce que je sais là par exemple au large des Sables d'Olonne on a un énorme paquebot qui s'appelle l'Afrique et qui a une histoire assez importante notamment vis-à-vis de la France et je sais qu'il y a une équipe de France 5 qui fait un reportage dessus et en fait ils ont contacté l'association et devant la difficulté technique de plonger sur l'épave en fait ils ont été filmés sur une autre épave pour pouvoir donc en fait ils vont présenter un documentaire entier mais sur avec les mauvaises images quoi. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là ça peut être intéressant. Et ça c'est un business model caché.
Tu vas pas le dire à tout le monde, mais quelque part, enfin, ça te, je vois vraiment pas mal de sources de revenus là-dessus. Ensuite, il y a un business model qui est d'aller vendre de l'expérience. Surtout que tu as le diplôme, tu as ce genre de choses. Alors, je suis en train de te diversifier énormément parce que j'essaie de taper un peu partout. Il faut recentrer après pour voir ce qui est le plus viable, le plus scalable. Mais au début, d'aller faire une expédition et d'emmener du monde avec toi pour aller faire une vidéo, pour aller faire, enfin, peu importe, cette découverte, c'est une énorme source de revenus. On n'est pas obligé d'aller sur les modèles classiques de start-up, en fait, et c'est, on n'est même pas obligé d'être une start-up, vraiment, c'est ce qu'il faut, c'est aussi ce qu'il faut garder en tête de ce webinaire, c'est que c'est du jargon start-up, mais un business model, le boulanger a son business model. Si son business model, c'est pas vendre du pain, mais de vendre des chouquettes et que ça marche, il a son business model, en fait. Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez de, ouais. Et tu amènes les projets de, ouais, tout à fait, exactement. Même aller voir les offices du tourisme. Tu proposes des plongées aux offices du tourisme et tu fais un partenariat avec les mairies parce qu'en fait, ils savent que pendant l'été, il y a une activité qui est là pour leurs touristes. Toutes ces sources de revenus. Et c'est ça, un business model. Un business model, c'est vous identifiez mon activité, elle a tel et tel et tel problème. Et ben, moi, pour faire en sorte que j'ai un revenu tout au long et qu'il soit permanent et que j'arrive à vivre et à payer tous mes besoins, ma chaîne de valeur, et ben, j'ai mis tout ça en place. Des plongées, de la visite, du documentaire, bien que mon business principal, ce soit ce que tu auras choisi et ce que le marché demandera le plus. Et c'est ça la définition d'un business model qui fonctionne. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment de mesurer chaque potentialité et puis en fait de les comparer après en suivant et de choisir. De les comparer, de les mettre ensemble et de prendre celles qui conviennent le mieux, qui répondent le mieux aux besoins et qui sont économiquement le plus intéressant. Ensuite, quand vous rentrez dans des considérations de type levée de fonds ou qu'il y a des investisseurs externes qui vont venir, oui, bien sûr, Julien, pardon, on vous écoute. Le micro est coupé, Julien, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, ouais, il est coupé. Il est parti. Non, il est là, Julien. Antoine, tu peux voir si tu peux je vais réactiver le micro de Julien pour que. Julien, n'hésitez pas à m'écrire la question alors si on n'arrive pas à vous entendre. Et c'est ce que je. Donc, je reviens en attendant la question. Ouais, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, c'est le business model, c'est celui qui vous permet de. Ouais, je vous écoute, Julien. Oui, bah, je voulais pas vous déranger par rapport à Alban. Je pense qu'Alban, c'est bien que tu continues. C'était juste par la suite pour savoir si j'avais pu. Là, maintenant, on m'a libéré le micro, mais si je pouvais me poser une question par la suite. Mais je laisse finir Alban parce qu'il était bien lancé. Et désolé d'avoir coupé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. D'accord. On fait ça et je reviens vers toi par la suite. Alors, je... Alban, du coup, je suis coupée. Je suis désolée, j'ai perdu mon flow, mais est-ce que j'ai répondu ou est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu souhaites qu'on aborde maintenant? Non, c'est assez clair. Enfin, maintenant, il faut plancher dessus, quoi. Mais c'est vrai que on se perd un petit peu dans la diversité des choses. Et après, c'est ce qui est toujours compliqué, en fait, c'est de poser un chiffre, en fait, derrière l'opportunité. Par exemple, sur les levées de fonds, combien on va lever? Est-ce qu'on doit d'abord mesurer ce dont on va avoir besoin pour faire la mission avant de demander le fonds? Ou est-ce qu'on commence par regarder ce qui est possible et puis après, on... Alors, voilà. Quand on est
quand on est à l'étape de la levée de fonds, alors si tu te poses toutes ces questions et si tous vous posez des questions sur la levée de fonds, il y a un mois et demi, j'ai animé un autre webinaire comme celui-là où j'expliquais toute la levée de fonds, toutes les étapes. Vous le retrouvez sur YouTube à partir de notre page YouTube. Et puis, on a mis à disposition un petit guide aussi pour, où on explique vraiment toutes les étapes pour aider dans la levée de fonds. Effectivement, je réponds à ta question, pour savoir combien on va lever, il faut déjà qu'on détermine de combien on a besoin. Mais avant d'aller lever, il faut qu'on ait un business model qui soit validé par notre prof de conseil. C'est la première étape. On va pas lever sans avoir un BM qui est validé, qui fonctionne et qui tient la route. Et du moins, si on va lever, c'est qu'il est scalable et qu'il est réplicable. Donc, en fait, première étape, il faut vraiment se concentrer sur le business model. Et ensuite, aller faire les levées de fonds. Mais je suis même pas sûre qu'avec ton projet, Albin, tu aies vraiment besoin d'aller lever des fonds. Parce qu'il y a du cash qui se crée très rapidement. Oui. Et la levée de fonds, c'est pas la peine d'aller diluer son capital si on n'en a pas besoin. Ça fait rêver. Il y a des moyens de se financer différemment sans aller offrir son capital. Il faut aller voir la banque, aller voir les subventions dont je parle depuis tout à l'heure. Enfin, il y a plein d'autres moyens. Mais tout ça, c'est dans l'autre webinaire et n'hésitez pas à aller les consulter. S'il y a des questions, on est toujours là derrière. Et comment, par exemple, là, j'ai le département qui pourrait être intéressé pour un projet. Comment aujourd'hui travailler sur le pricing? C'est un peu ça aussi la question. C'est comment facturer mon service? Et parce que le business model va dépendre un petit peu de ça aussi. C'est de la facturation en fait du service. Eh ben, pour déterminer quel est le bon prix en fait, tu listes en fait tous les coûts que tu auras pour pouvoir mettre à bien ou faire ou réaliser cette mission. Quels sont tous les coûts? Tu te mets une petite ligne rémunération parce que si les porteurs de projets ne sont pas rémunérés, l'entreprise à terme ne vit plus. Donc, il ne faut pas mettre que des charges fixes. Il faut vraiment mettre les vrais coûts et une rémunération. Et ensuite, tu compares ce que tu as à ce que fait la concurrence. D'accord. Et comme ça, tu peux ajuster. Est-ce que tu es vraiment hors norme, beaucoup trop cher? Auquel cas, il faut se poser des questions sur ton coût de revient. Comment tu peux diminuer les coûts? Ou est-ce que tu es vraiment pas assez cher? Et auquel cas, tu peux t'aligner à la concurrence ou t'autoriser un petit peu moins cher pour être sûr d'être pris. Ça fait partie de ta stratégie que tu adaptes au fur et à mesure. Parce que au début, quand on est jeune dans un projet, forcément, on essaye d'attirer aussi un peu par le prix parce qu'on veut décrocher un projet. Ce projet va nous ramener de la notoriété, du réseau. Petit à petit, on pourra augmenter ses tarifs et on n'est pas condamné à perpétuellement pratiquer des tarifs bas. Mais là où Clémentine, elle a un business model qui est indirect pour le moment, qui aura vocation, je pense, à aller vers un business model direct, la vente de formation, contenu, mise en relation, peu importe ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, Alban, je pense que tu as déjà un énorme business direct à aller chercher, tout en créant ce contenu. Et la mise en relation, elle est top, Clémentine, parce que n'hésite pas à partager tes coordonnées directement là si tu veux qu'on te contacte, parce que même moi, ça m'intéresse honnêtement. Il y a des bonnes affaires à faire ensemble et en créant ce contenu sur internet, tu te légitimes aussi, tu te fais connaître, Alban, tu crées de l'intérêt, de l'engouement, tu montres que tu as des vidéos de qualité, donc du coup tu vas taguer à chaque fois, je vais dire brut parce que celui qui me vient, mais tu tagues un peu tous ces médias, ouais. Et c'est comme ça que tu te fais connaître. Je vous dirai toujours son prénom parce que j'ai un problème avec les prénoms. Mais ce photographe là qui est toujours dans le nord et qui prend les photos avec la neige, je ne sais plus comment il s'appelle, aussi des photos blanches, il a commencé comme ça. Salut Clémentine, à bientôt. Merci d'être venue en tout cas. Et il a commencé comme ça, à poster ses photos sur les vidéos. Ensuite, il a créé son livre avec son contenu. Ensuite, il a participé à plein de podcasts et petit à petit, il est devenu légitime sur son sujet. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour toi. Mais ça, c'est la vision à long terme. Pour arriver là, il faut que tu manges aujourd'hui. Basiquement, pour pouvoir manger, ton business model, c'est tu réponds à des appels d'offres, tu réponds à des besoins d'entreprise parce qu'ils ont besoin d'aller faire des projets ou des documentaires ou peu importe. Et petit à petit, en parallèle, tu crées ton contenu, tu postes.
tu vis s'il y a des petits revenus indirects à attraper par les réseaux sociaux, faut pas s'en priver, mais c'est pas ton objectif principal. Et petit à petit, tu te diversifies et c'est comme ça que tu crées ton business model à long terme. Mais pour pouvoir réaliser tout ça, il faut que tu aies ta vision à toi de comment tu veux mener ton entreprise. Mmh. Okay. Et ça peut être une entreprise où vous serez que deux, parce que ça fonctionne très bien et vous allez très bien vivre à deux. Ou tu as envie d'avoir une entreprise plus grande parce que tu veux acheter une flotte de bateaux et faire du tourisme. En fait, c'est ça le business model. D'accord. Okay. C'est vraiment définir sa stratégie. Et je reste sur cette slide depuis tout à l'heure, j'y retourne, parce qu'en fait, c'est cette slide qui te permet de répondre à toutes les questions. D'accord. Je reviens vers toi, Julien. Oui. Pour entendre la question. Bonjour. Je suis navré déjà, je suis arrivé un peu tard, donc je n'ai pas vu le début de l'édition, j'essaie de tout comprendre. Ça a l'air très intéressant. Alors, actuellement, il y a Alban, il y a d'autres personnes, il y avait Clémentine avant, je crois. C'est des projets qui sont en cours de création, oui. Je ne me trompe pas. Nous, on est dans un cas un peu spécifique. On a une société qui a maintenant 11 ans. Mmh. Et... On fait enfin ce qu'on voulait faire de notre société aujourd'hui. Donc, en gros, on a une situation où on est une société qui a un peu de bagage derrière et on essaie de lancer le projet pour lequel la société avait été créée, qu'on n'a pas pu faire au début, qui est maintenant en place et c'est un peu un nouveau départ. Donc, c'est un peu comme si on recréait une boîte, mais sans vraiment la créer. Et c'est marrant parce que Alban ressemble un peu, sa situation ressemble un peu à la nôtre aussi. Alors pour vous faire vite fait rapidement le descriptif, on est une société qui crée des drones paramoteurs, c'est des drones qui volent avec du vol de parapente. Le but c'était de permettre aux gens de voler, de ressentir ce que c'est le vol d'un oiseau naturel, en s'affranchissant des contraintes physiques, mentales, des appréhensions et tout. À l'époque, la techno n'était pas du tout bonne pour tout ce qui était casque de VR et caméra 360 degrés. Du coup, on a bifurqué notre drone pour faire de l'animalier, tout ce qui était protection environnementale, l'anti-braconnage, etc., comme c'était un drone qui était très silencieux. Et aujourd'hui, on a enfin nos caméras et nos casques qui sont très performants et on relance ce projet qui était la base de la société, qui me permet de voir des sourires sous les casques, qui me fait très plaisir, plutôt que... Alors, le drone en lui-même, c'est très intéressant, mais c'est devenu très compliqué. Et là, on lance avec un gros point, gros épine dans le pied, c'est que notre projet marche vraiment bien, on a beaucoup d'intérêt. C'est un tout début, donc le problème, c'est qu'il faut faire connaître aux gens. La réalité virtuelle a fait beaucoup de mal dans le monde de tout ce qui est casque, donc les gens pensent toujours que c'est un simulateur virtuel ou quelque chose qu'ils ont déjà testé, alors que pas du tout, c'est des vraies vidéos, donc c'est vraiment un vrai vol très très bénéfique pour la personne. Et donc il y a beaucoup de démonstrations à faire, donc on fait les démonstrations gratuitement. Je suis chargé toute la semaine prochaine pour aller faire plein d'événements, mais de manière gratuite, parce que malheureusement, quand ton projet n'est pas connu, tu peux pas forcément leur dire voilà, lâchez 1600 euros pour la journée. Si derrière ils n'ont pas eu l'intérêt du produit. Donc là, pour l'instant, je travaille bénévolement et on va dire fait une mauvaise opération avec les drones il y a peu de temps avec les militaires français qui nous a un peu plombé toute notre économie et toute notre trésorerie. Donc là, on repart avec un handicap, c'est qu'on aimerait, on a tout ce qui est fait pour la communication, les essais, les démonstrations et tout. On n'a pas suffisamment de trésorerie pour amener ce projet à bien, alors qu'on a toutes les clés, on a même des demandes de location de plusieurs portiques, donc des systèmes de vol en immersion, qu'on peut pas honorer pour l'instant parce qu'on n'a pas les moyens de s'équiper avec ce matériel. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on peut plus aller chercher forcément de prêts bancaires, ce qu'on a déjà demandé. Et là, on a commencé par le fait que je sois rentré chez Akenao avec... Michael, il m'avait proposé tout ce qui était BSR, donc j'ai levé un premier BSR en potentielle idée de lever des fonds lors du levée de fonds plus tard. Le BSR a été levé, le premier, soit
Normalement, c'était le premier le plus compliqué. Il s'avère que ce n'est pas le premier le plus compliqué. Le premier était très simple, mais les suivants, comme on n'a pas du tout de. On n'est pas. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas du tout quelqu'un de réseau. J'ai du mal à trouver et à trouver quelqu'un pour nous permettre de reprendre un peu de respiration et de lancer ce projet. Donc voilà, au début, on a, là, actuellement, on est un peu bloqué. Alors, je trouvais ça bien, l'idée de faire le business plan. J'en ai fait plusieurs des business plans et il y a toujours, avec le recul, le business plan ne correspond jamais à la réalité de ce qu'on a fait les années après. Surtout pour les drones. Là, je pense que ça va beaucoup plus simple. Après, je rejoins Alban. Il y a un gros souci, c'est que nous aussi, on a eu du mal à définir le tarif, la vente, la location. Pourquoi ? Parce que on n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché et du coup, on peut pas tellement comparer. On peut un peu comparer, mais avec des solutions totalement diverses. Il faut pas faire des prix trop bas, sinon ça décrédibilise un peu le produit. Il faut pas faire des tarifs trop, donc c'est assez complexe. Mais bon, comme c'est pas figé, comme tu le disais, il y a vraiment pas de souci par rapport à ça, on peut évoluer. C'est un peu dur au début. Mais par contre, pour faire un business plan, il faut quand même qu'on puisse se projeter combien on va pouvoir le vendre, combien on va pouvoir le louer, combien on va pouvoir trouver client, à quel prix, de quelle manière. C'est tellement de la magie et des rêves et des estimations que j'ai du mal à comprendre vraiment la crédibilité qu'on apporte au business plan, au business model, hormis le fait d'être plus clair dans ce qu'on veut faire. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de véritablement figé et puis avec une vérité assez forte pour se baser là-dessus. En fait, ça a été dit, tu l'as dit dans une explication, le business plan et le prévisionnel, c'est juste un outil de communication à destination des investisseurs la plupart du temps pour leur dire, pour leur montrer ce qu'on a déjà validé grâce à la preuve de concept et qu'on compte déployer à plus grande échelle. Mais en fait, la condition sine qua non, c'est qu'on ait déjà un existant sur lequel on peut se baser et à l'après, on va juste le projeter sur une vision à plus long terme. J'entends qu'à ce stade-là, c'est lunaire en fait d'aller faire un prévisionnel parce qu'en fait, ça n'a pas de sens et c'est normal. Et à ce stade-là, ne perdez pas votre temps à aller chercher, définir, faire les prévisionnels, les ventes. Je pense qu'il y a déjà une première étape pour la définition du business model. J'ai l'impression que là, il y a une volonté d'aller sur du B2C, c'est-à-dire d'aller chez les clients. Enfin, il y a une volonté B2B. Non. On n'avait pas du tout fait la liaison directement avec le client. Pourquoi ? Okay. Parce qu'on n'était pas, nous, entre guillemets, forains ou on ne faisait pas de ce genre d'activité. Notre clientèle, c'est plutôt des gens qui vont acheter le portique pour le proposer à leurs clients. Donc, des hôtels, des centres de bien-être, des espaces de loisirs et des choses comme ça. On s'est rendu compte que potentiellement, en faisant un prévisionnel pour un client qui voulait savoir combien il pouvait toucher en tant et tant de temps, avec tant et tant de personnes sur tant et tant de systèmes, on s'est aperçu qu'on pouvait, nous, dégager beaucoup d'argent en faisant nous-mêmes l'activité. Donc, du coup, les deux sont possibles et on va faire les deux. De toute façon, on est obligé de faire aujourd'hui de faire l'activité parce qu'on n'a pas assez de renommée et de crédibilité pour passer outre. Mais les deux sont possibles. Maintenant, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout la même approche. Est-ce que ça veut dire, Julien, qu'on prenne le temps et qu'on fixe un rendez-vous pour qu'on en discute, on se prend une heure ou deux pour discuter de ça un peu plus tard ouais. La semaine prochaine, qu'on prenne le temps parce que je pense qu'il y a, j'ai pas mal de ficelles à tirer pour pouvoir vous aider et vous conseiller de manière juste. Et là, on arrive à la fin de ce webinaire. On peut envisager ça ? Oui. Je vous laisse, attendez, je vous remonte ma slide comme ça. Effectivement, là, c'est ce qu'on disait au tout début, hein, c'est qu'il y a deux cas. Soit on lance, on définit son business model au début, soit comme vous, on redéfinit un business model en cours d'exercice. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et donc, je vous laisse mes coordonnées qui sont là. Comme ça, on peut s'écrire et on convient d'un point la semaine prochaine, la semaine d'après. Oui, parfait. On peut faire ça. Ben, merci pour la réponse. J'espère que je n'ai pas été hors sujet. Non, absolument pas. Je n'ai pas eu le temps de prendre le contenu.
Voilà, c'est bon, merci. C'est parfait. Oui, on fait comme ça. Moi, je fais juste sur les dernières slides. Donc, voilà les questions auxquelles il faut répondre. Et je voulais vous parler de ce document parce que souvent, quand on va communiquer son business model pour le rendre facile et compréhensible, en fait, c'est les questions auxquelles est censé répondre un business model. C'est quelle est notre proposition de valeur? Quels sont les revenus qui vont en découler? Comment on va générer du cash? Quels sont les coûts que l'on va couvrir grâce à ça? Quels sont les partenaires clés pour pouvoir y atteindre notre objectif? Nos activités, comme je disais tout à l'heure, business model direct ou indirect, celui qui est mis en avant ou ceux qui sont cachés, les ressources clés pour pouvoir y parvenir. Et puis ensuite, eh ben, quelle est notre cible et comment est-ce qu'on va l'atteindre? Relations clients et les canaux de communication, de distribution. Là, il y a un outil qui est très sympa, c'est celui de la BPI, qui explique vraiment tout. J'aime bien le donner un exemple. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans le chat, mais sinon, vous tapez Canva BPI, vous le retrouverez également. Hop, je vous le mets là. C'est un bon outil. Alors, ne vous limitez pas à cet outil. C'est une perte de temps au stade où vous en êtes. C'est hyper utile quand vous devez le présenter à des tiers. À ce moment-là, prenez le temps parce que pour la mise en valeur, c'est intéressant. C'est une méthode de présentation que je vous propose. Il y en a plein d'autres. Si vous souhaitez en utiliser d'autres, vous m'envoyez un petit mail et je peux vous montrer d'autres. C'est juste que c'est celle qui est la plus répandue aujourd'hui malgré tout. Elle a des avantages, elle a des limites, mais elle est malgré tout la plus répandue et c'est la plus simple à utiliser. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et ensuite, pardon, hop. Et vous donner mes quelques bons conseils pour terminer ce webinaire. Le premier, c'est que le business model le plus simple, c'est souvent le meilleur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Alban, je te disais, il y a peut-être un business model que tu vas communiquer à tout le monde et il y en a d'autres qui sont cachés. Pourquoi est-ce qu'ils sont cachés? Parce que ça va être trop complexe et le client ne va pas comprendre d'autres sources de revenus que tu mettras en valeur et tu sais que tu n'as pas besoin forcément de les mettre en valeur pour les vendre. Donc en fait, c'est souvent le business model le plus simple qui est à mettre en valeur et c'est parce qu'il est le plus simple qu'il est le plus compris et qu'il est le plus adopté par les clients finalement et par le marché. Oui, ça ne vous contient pas au business model Canva s'il n'y en a pas d'utilité, c'est ce que je viens de vous dire. Ne négligez pas l'étude de marché parce qu'en fait, c'est elle qui définit votre business model. Peut-être que demain, Julien, Alban, vous allez faire le même métier. Mais vous avez un écosystème différent, vous avez une approche différente et vous avez peut-être une valeur ajoutée différente. Même si vous avez le même métier, votre business model pourra être différent. Et c'est votre étude de marché qui va vous permettre de le définir. Donc, ne négligez vraiment pas cette partie. Ça ne sert à rien d'avoir des documents qui font 50, 100 pages. L'étude de marché, en fait, c'est vraiment s'assurer de qui est la concurrence, quel est mon élément différenciant, quels sont les prix, quels sont les avantages qu'apportent nos concurrents. C'est vraiment ces questions, se focaliser sur le prix et sur l'offre de marché pour s'assurer que j'apporte vraiment quelque chose de nouveau, que ma façon de vouloir l'apporter va bien correspondre aux attentes du marché et au final, que je fais un market fit. C'est ça l'étude de marché. Ne vous cassez pas la tête davantage. Sachant qu'un business model, c'est celui, un bon meilleur business model, il évolue. C'est l'exemple de Clémentine tout à l'heure, où au début, effectivement, elle va vendre des vidéos et c'est bien, et elle va générer du revenu, mais elle a un potentiel de scalabilité énorme et surtout, elle a un potentiel d'aller se diversifier dans la formation, dans de la mise en relation. Son business model n'est pas figé et il évolue. Et c'est comme ça qu'une entreprise vit sur le long terme. Le meilleur prix, ça c'est pour Alban la question et puis aussi pour Julien, c'est le prix que votre client est prêt à payer. Donc, commencez avec un prix, comparez-vous à la concurrence. Bien sûr, faites une étude un coup de revient rapide pour vous assurer que vous rentrez dans vos coûts et que vous êtes rentable. Ensuite, comparez-vous à la concurrence pour vous assurer que vous n'êtes pas complètement hors propos. Faites une proposition. Alors, dans des appels d'offres, c'est jamais facile de négocier parce que finalement, une fois que c'est écrit, c'est difficile de revenir en arrière.
Mais quand on est sur des relations plus avec des particuliers, dans le sens business et non pas avec l'administration, restez toujours ouvert à la discussion ou attentif, parce que forcément, vaut mieux déclencher la première offre, comme je disais tout à l'heure, à un prix un peu plus bas, et il y a un effet positif parce que ça fait un effet papillon que l'inverse. Et puis ensuite, pour que, si vous allez sur des levées de fonds, vous allez chercher des fonds par ailleurs, je pense au BSA notamment, Julien, l'importance de visualiser clairement et facilement le business model, parce qu'en fait, c'est déjà votre capacité à l'expliquer de manière claire. Je gagne des sous parce que je facture avec des frais fixes et en plus, j'ai un pourcentage d'intéressement. Business model, il est clair. On sait que c'est la facturation directement. Ça n'a pas besoin d'être totalement extraordinaire et révolutionnaire, mais la personne à qui je parle comprend et voit que je maîtrise mon sujet et que ma question du prix n'est pas un souci. Et on passe à autre chose, et la communication est vraiment très importante. Et c'est pour ça que je suggère d'avoir le Canva, le modèle Canva. Des fois, il facilite la communication quand c'est pas évident. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je partage avec vous deux QR codes. Le premier, c'est on essaye de créer du contenu assez régulièrement pour vous aider tous dans la croissance et la gestion de votre entreprise. Donc, on a ce glossaire, en fait, de l'entrepreneur où il y a tous les termes barbares et les définitions qui peuvent aider pour au quotidien les entrepreneurs. N'hésitez pas à le flasher et à y aller, à visiter. Et puis, vous pouvez, bien sûr, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On essaye de partager de l'info ou au minimum, on organise un webinaire une fois par mois sur des thématiques qui, on l'espère, intéressent tout le monde. C'est des questions que les entrepreneurs nous posent au quotidien. Donc, on essaye de les partager avec le plus grand nombre, avec notre écosystème. Donc, c'est aussi un bon moyen d'avoir de l'actu via les réseaux sociaux. Et je remets une dernière fois mes coordonnées. N'hésitez pas. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à pouvoir aider et à pouvoir répondre aux questions. Contactez-nous directement. Là, c'est moi, ma ligne directe, mon mail direct. Et aux fonctions, s'il y a d'autres interlocuteurs auxquels il serait pertinent de vous partager les coordonnées avec qui vous devriez parler, je ferai la mise en relation avec grand plaisir. Voilà pour ce webinaire d'aujourd'hui. C'était court. J'ai essayé de le rendre un peu interactif parce qu'on n'était pas très très nombreux aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, je pense que vous l'avez compris, n'hésitez pas. Et puis jusque-là, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. N'hésitez pas à noter les coordonnées aussi de Clémentine, je crois qu'elle les a laissées. Super. Merci invité, je ne sais pas quel est ton nom, mais merci d'être là. Et je n'aimerais s'il n'y a pas eu l'opportunité de prendre la parole. Merci Julien aussi, merci Alban, merci à tout le monde. Et à bientôt, j'espère. Merci pour la qualité des échanges. Merci, à bientôt.